Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à Denis Lévesque. Ce soir, deux invités très spéciaux. Tout d'abord, M. Cardinal de Blainville, qui lui s'est fait visser une casquette sur la tête il y a de ça 5 ans. M. Cardinal, bonsoir. Bonsoir. Mais M. Cardinal, ça doit pas être facile d'aller à la shop et d'aller travailler en même temps, puis t'arrives, t'as une casquette sur la tête qui est vissée depuis 5 ans. T'arrives au travail, les gens t'appellent palette, t'appellent calotte, tu vas sur le bord de la shop, t'arrives, tu reviens, tu sais plus, t'as une casquette sur la tête. Oui, c'est sûr qu'au début, c'était plus ou moins facile. Quand je me suis fait visser ma casquette sur la tête, là, j'allais travailler à la shop, là, les gars, ils m'appelaient la palette, ils m'appelaient la casquette, t'sais. Mais à un moment donné, tu t'habitues, faut que tu fasses ton petit bonhomme de train. Puis c'est sûr que quand je vais faire mon Steinberg, ben les gens ils me regardent un peu sur le travers. Fait que moi, je passe tout droit, je vois dans l'allée des fruits, je tourbillonne un petit peu sur l'allée des céréales, puis j'évite tout conflit avec moi-même. Alors à un moment donné, tu t'habitues, puis tu te dis, ben il faut que je vive ma vie à 117 000 à l'heure, puis c'est ça que je fais. Ben, bonne chance, Monsieur Cardinal, qu'on surnomme la palette. Mon prochain invité, c'est un guitariste, un joueur de musique, musicien. Il est très musicien, mais quand on lui demande de jouer une chanson, il est juste capable de jouer Nothing Else Matters du groupe Metallica. Bonsoir, Monsieur Gauthier. Essayez-nous donc de nous jouer une petite chanson de Justin Bieber. Pièce de Madonna. Une facile, là, une petite pièce des Beatles. Monsieur Gauthier, vous nous jouerez ça une autre fois. La semaine prochaine, on reçoit deux invités, Monsieur Réal Carbonneau, qui est convaincu qu'il est un robot, et Monsieur Jacques Cloutier, l'inventeur de l'élastique à 3 trous.